Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 4 sur Anno 2070. Alors, pour faire un petit peu le plan, parce que là c'est la dernière, la quatrième et dernière mission, Ombre du passé, qui fait que la première fois j'ai dû construire une turbine pour un gros con qui m'a obligé à construire une turbine pour un putain de barrage qui pouvait pas. Du coup le barrage s'est cassé et le gros con en question m'a accusé, le scientifique qui construisait ce barrage. On a dû réparer le barrage bien sûr, hein. Lui il a rien fait, et je dis allez réparer le barrage, bande de cons. Et du coup j'ai réparé tout ça, le mec qui était au-dessus de lui il a dit hey, gros t'as fait de la merde. Où il l'a viré, et moi j'étais bien content. Et après, bon, il y a eu un petit problème qui a mis un peu de pétrole un peu partout, mais j'ai sauvé la situation. Et à la fin, j'ai reçu un message codé étrange. Et c'est sur cette mission que nous partons maintenant. Entre vous et moi, Eden Initiative aurait bien besoin d'autres gens comme vous. Je sais. J'ai parlé de vous au conseil d'administration. Ils sont tous très impressionnés. Et oui, non, mais ça c'est sûr, I'm the best, comme je dis. Grâce à vous, la marée noire a été contenue, mais il ne reste rien à l'outil 13 après l'effondrement total du barrage. Alors que Rufus Thorn est sur le point de vous confier la direction du projet de reconstruction, le système d'Eve capte d'étranges signaux. La source est très proche de vous. C'est ce que je disais. Un petit message collé chelou. On va devoir comprendre. C'est sûrement. Moi, je suis sûr que c'est l'autre débile. Avertissement. Objet non identifié détecté. Localisation de la source du signal. Coordonnées établies. Est-ce que mes théories sont exactes. Qu'est-ce que c'est que ce gros machin? Un autre arc émerge des profondeurs et vous contacte. Ma transmission est fragmentée. Ah non, c'est pas lui en fait. La théorie était donc foireuse, totalement. Analyse du transfert de données. Erreur 342. Processus abandonné. Transmission incomplète du message. Pardon. Pardon. Je t'excuse pas, mec. Est-ce que c'est pas du tout? Ça se trouve, c'est quelqu'un qui veut m'attaquer et moi je suis pas au courant. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Intelligence artificielle de B2. Bon! Et bien si on allait les voir tout simplement. Le prototype vu verte pour SAAT. Erreur. Faible signal. Connexion interrompue. Calcul de la route menant à la source du signal. Page suivante. C'est de produire des marchandises. Rendez-vous à la source du signal codé du nord-ouest de Technotica. Tectonica. Je vais y arriver. Ok, allons-y. C'était là-bas, je crois. Ah, c'est là-bas. Allez, gros. On va voir ce que c'est. On va voir ce qui se passe. On va voir qui c'est. On peut rester dans l'inconnu longtemps. Cela me perturbe trop. Qui est cette personne? On dirait un roux. Ah, c'est lui. Alors quoi? Qu'est-ce que c'est? Signal accru avec succès. Expéditeur du message, professeur Salman Devi. Position. Véhicule de fortes interférences, valeur en cours de calibrage. Ah, c'est la bonne modulation de fréquence. Ah, la situation délicate dans laquelle vous vous trouvez n'est pas la raison de ma venue. Je suis ici pour le Virago, un ancien prototype d'Arc. Phaser pense qu'il est ici. Vous voulez bien m'aider à le trouver? Ok, c'est juste pour faire de la recherche marine. Réfléchir. Bon, ça va en fait. Et maintenant, je n'ai plus d'instruments pour mes recherches. Pourriez-vous me procurer quelques éléments? Oui, bien sûr. Oui. Contactez. Bienvenue à SAAT. Pour un localisateur 3D. C'est beaucoup de déplacements quand même. On va pas juste envoyer un message. Eh, hey, t'en as ou pas? Vas-y, ramène-les. À qui est? Il doit un service, toi, ça. C'est possible, ça. Tout ça, fait les allées, les retours. Pollue encore et encore. Le professeur Devi pense-t-il que l'arc est ici? Quel scandale. Oui, je dis oui. Je vais vous donner un coup de main pour le localisateur 3D et vous pourrez disposer de toutes les données recueillies lors de la recherche. 5 tonnes de modules de construction, 5 tonnes de bois. Ah, mais j'ai pas de bois, moi, je crois. Non, j'ai pas de bois.
Comment je fais pour faire du bois? Oh! Comment je fais pour faire du bois? Ça. Bois? Béton? Je suis trompé, il y avait écrit béton, c'est ça? Ok, bon, il va me falloir ça du coup. Ça permet un extracteur de sable. Que je vais mettre. Je sais pas où d'ailleurs. Est-ce que je suis censé mettre ça moi? Je veux dire. C'est bien lancé tout ça, mais. Où est-ce que je suis censé le mettre? Le site, un gisement de matières premières appropriées. À construire sur une rivière. Il n'y a pas de rivière ici, qu'est-ce que tu. Produit du calcaire. Mais ça c'est pareil, je peux pas. Pas ici. Il doit y avoir un autre endroit, genre des îles ou quoi. Peut-être. Peut-être là. Ah ouais, je peux en mettre là. Éventuellement. Ah oui, tout a été carrément inondé ici, quoi. C'est la folie. Pareil pour le sable, j'imagine que je peux en mettre ici. Oui, je peux en mettre là. Non. Non, absolument pas. Nécessite une rivière, mais il n'y a pas de rivière, même sur ça, il n'y a pas de rivière. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Et où est-ce que je suis censé le mettre, du coup, ça hein? C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question, est-ce que je suis censé découvrir une nouvelle île ou pas? Du coup. I don't know. Je ne sais pas. Écoute, tu vas faire de la découverte, mon ami, parce qu'on sait jamais. On découvre une autre île qui pourrait me permettre de mettre ça. Et là, je peux toujours mettre ça là-bas, là, les gisements de machin. Mais si je peux pas mettre le sable, ça me sert pas à grand chose, t'as vu? Mais attends, ça je peux en construire ou pas? Une construction de du béton. Bon, je peux toujours le construire, mais par contre, ça m'en produira pas logiquement. Logiquement, ça m'en construira pas. Ouais. Enfin, voilà. Je vais le mettre là. Hop. Ouais. Ok. Bon, je l'ai de toute façon, il faut que je le fasse. Fait. Très bien. On va juste le relier. Mais alors, qu'est-ce que tu as découvert rien? Forcément. ouais, non. Je sèche. Bon, je vais construire les trucs de calcaire ici, là, déjà. Mais je peux pas, en fait. Pas dans la zone de construction. Est-ce que tu crois? C'est ça, ligne de couleur. Dépôt. Oh, il y a un dépôt et tout aussi. Mm-hmm. Pas trop actuellement hein. Ce que je dois faire flex tout ça, je crois que si je supprime une minerai de fer, je vais construire quelque chose à la place. Est-ce que tu crois que je peux faire ça? Oui, je peux faire ça. Par contre, est-ce que je peux construire du coup ceci à la place de ceci. Et là j'aurais pu le faire donc. Bon, ça je peux définitivement pas le mettre là. Donc je vais remettre mon minerai de fer là. Avertissement. Production interrompue. Le site de suivant est censé produire des marchandises de béton. Il pouvait pas en produire de toute façon. Qu'est-ce qu'il me dit lui? Livrer les marchandises, demander à l'endroit suivant. Ah, ça, il faut que je fasse ça. Non, c'est du bois. Mais est-ce que je dis, il me faut du bois, pas du béton.
Bah alors, comment je fais pour construire du béton, du bois? Je peux pas. Ça, c'est du béton. C'est débile. Module de construction. Clé de réparation, autorité portuaire. Ok, c'est cool tout ça, mais... Ah, mais si, c'est lui. Production de bois. Pépinière. Ok, très bien. Bah écoute, la pépinière, on va la foutre. Du bois autour. Avertissement. Baisse de la fertilité due à la pollution. Oui, oh, ça va, je m'en fous. Hein. De toute façon, c'est la campagne. Hein. C'est le début du jour. Très bien. Une pépinière. Et voilà, parfait. Un peu débile en fait. Production de bois. On va mettre ici. Nécessite forêt. Syrie nécessite forêt pour la production. Il y en a des forêts autour là. Plein même. Hein? Bon. Merde à la fin. Pas 86%. Avec le bouton gauche pour interrompre la production. Réduira le coût énergétique et le coût d'entretien de ce bâtiment. Oui, d'accord, très bien. Mais qu'est-ce que... Comment? Quoi? Marchandise produit, mais ça produit rien là, actuellement. Ça produit rien. Quoi que 86%. J'aurais dû le mettre genre. Ah si, c'est bon. Ça produit un truc là. Oui, ok, cool. Ok, mais il en faut 5. Ça va prendre un temps ça. Ça va prendre un petit peu de temps tout ça. Bah du coup ça on s'en fout hein. N'est-ce pas? Hop. Très bien. On s'en bat les nœuds. En fait on en a pas besoin. Pas pour l'instant en tout cas. Et bah du coup ça aussi on s'en fout en fait. Mais bon, ça quand même ça peut tout servir. Et éventuellement. Allez, produis-moi du bois. Pourquoi j'ai pas de bois? Attends. Il vient de me dire qu'il en avait produit. Hein. C'est ton souci. Réduit la productivité à 87%. Ouais, je veux bien, mais... Ouais, il m'a pas... J'ai pas de bois là-dedans. Deux. Ah oui, si, c'est là. 10 tonnes de bois vers votre navire. Oui, sauf Green que en fait, j'ai besoin... Green va perdre nos vies un enfer si ça ne marche pas. Ok. Mais sauf qu'il me faut 5 tonnes. Et j'en ai qu'une. Mais c'est que 5 tonnes de... Produits de construction, mais ça je les ai. Pense. Oui, c'est bon, je les ai. Large. Non, là, ce qu'il me faut, c'est... On va essayer d'augmenter la production à 100%, parce que ça m'embête, ce sera 87%. C'est parce que le bilan écologique négatif de cette île, hein. C'est-à-dire ceci. Pollution écologique critique. Si je fais comme ça... Moins 2, écologie, minerai de fer... Qu'est-ce qui me prend le plus là? Ça me prend rien. Je crois que j'ai un truc. Qu'est-ce que c'est ça? Amélioration de toute l'hypothèse. Moins 3, moins 4. Et sûrement un truc qui fait genre moins 10 000. C'est sûr. Moins 15. Centrale à charbon. Ah oui, mais ça c'est pour faire l'électricité. Plus 12 en électricité. J'ai besoin d'autant d'électricité ou pas?
Qui c'est? Moins 5, je dois en avoir une deuxième quelque part, c'est obligé. Moins 5, moins 15, centrale neutre, centrale à charbon. On va les remplacer, hein, les centrales à charbon. C'était là, c'était où déjà, c'était ça. Avertissement. Arrêt complet de la production. De quoi? Pourquoi ça? Pénurie énergétique détectée. Oui, je sais, mais ça, c'est fait exprès, garçon. C'est fait exprès, garçon. C'est pour faire des... Comme ça. Hop. Voilà, ça fait combien, d'ailleurs? Produit l'énergie, mais ça produit combien d'énergie? Plus 15. Sauf qu'en fait... Oh... Ok. Pas terrible, terrible ce que je viens de faire. On va essayer d'en mettre ailleurs. Hein. Genre là. Voilà, parfait. Je suis à moins 36. Pourquoi je suis passé à 67%? Pas logique. Partie sauvegardée. Ah oui, non, c'est juste parce que j'ai un manque de d'énergie. En fait, non. On va juste mettre une autre éolienne. J'en peux mettre une, je m'en fous. Hop. Oui. Là, j'aurais pas de soucis avec ça. 92-93. 16%. Pourquoi ils sont arrêtés eux du coup là? Je lis l'outillage. C'est pas ton souci. Il me le dit pas. Hein? Tu me le dis pas, garçon. 4 plus 15, ça va. Pourquoi tu me dis pas où est le problème? Je comprends pas. La marchandise doit être enlevée par une unité de transport. Ah, mais parce que c'est plein, d'accord. Et on s'en fout, ça. Ah, oh, c'est plein, tant mieux. Ça. C'est plein. On va pas se plaindre. Bon, alors 4, bientôt 5. Hein? Ah, c'est bon, j'en ai 5. 4. Il y en a un qui a disparu. On sait pas pourquoi. Regarde. Aussi, c'est à 96%. Les bilans écologiques négatifs de cette île réduisent la productivité de 96%. Ouais, mais je suis moins de 36, les gars. Je peux pas non plus. Tout ça, ça pollue, tu vois. C'est des maisons, c'est normal. On peut pas tout enlever non plus, quoi. Vous comprenez? Oui, c'est ça qui fait moins 5. Mais attends, mais je suis à moins 36 de toute façon, donc je vais pas tout enlever. Vous serez débile. Ne clique pas. Ça y est, j'en ai 5. Parfait. J'ai eu mon bateau là. Découvrir les îles. Là, ça va rien. Viens ici. On va trouver. Trouver cet arc perdu et finir cette mission dans les temps. On peut passer au chapitre 2. Une fois que j'aurai fini tous les chapitres de la carrière, je pense que je me lancerai dans une sorte de... Dans... J'imagine qu'il y a un truc du genre... solo contre IA ou ce genre de truc. On essaiera de faire ça. Le Virago. Global Trust s'intéressait autrefois aux technologies embarquées. Davy est en train de récupérer le bras de secours, et j'examine tous les résultats. Mmh. Allez gros, tu peux apporter tout ça. Ah non, attends. Ça suffit pas, il faut aussi des... C'est quoi que vous voulez, des modules de construction, c'est ça? Oui, c'est ça, des modules de construction. Voilà, parfait. Allez, donne-lui tout ça. Il m'a dit lui là. 10 T.
tonnes de modules de construction. Vous souriez parce que vous avez accompli la quête ? Oui. J'ai hâte de savoir si le professeur Debbie va réussir à trouver le Virago. Ouais, moi aussi, de ouf. Et tu vas juste me prendre des outils de construction en plus. Le navire est plein. Comment ça, le navire est plein ? T'as quand même viré ça ? Voilà. On met. Toi, tu vas aller. Non, c'est mon. On va aller là pour donner tout ça à Tikkun et après on ira voir le prof pour lui donner son localisateur 3D. Du coup. Normalement, ça devrait être bon. Avez-vous réussi la quête ? N'oubliez pas que la compagnie souhaite connaître toutes les informations que vous recueillez sur le Virago. Ouais, je fais du... un petit peu du vol industriel, quoi. Hein. J'ai bien compris. Livrer la marchandise, demander à l'endroit suivant. Oui, c'est ça. Et que je prenne aussi. Déjà, je vais te donner ça, je vais retourner là-bas, récupérer l'autre truc, le ramener. Faisons court, oui ou non ? Ah, oui. Le localisateur 3D. On a besoin de son scanner, de son GPS. Oui, je sais, j'arrive. Son module de synchronisation. J'arrive, c'est bon. No soucis. Je suis là pour toi. Moi, la recherche et l'écologie, c'est mon truc. Tu peux pas capter avec moi, je suis l'homme le plus efficace, le plus rapide de la planète pour toi. Je ferai tout pour atteindre mon but. Hop. Quoi ? Comment tu l'as récupéré là ? Ça, c'est le bras. Hein. Bras de secours. Comment perdre un maximum de temps ? Avertissement. Production interrompue. Oui, et j'ai trop de production, ça va. C'est full, voilà. Très bien. Faudra un autre entrepôt en fait. Tout simplement. Mais normalement la distillerie, ça devrait pas en fait. Logiquement. Bon, comment ça s'est passé ? Oui, ce bras de secours pourrait convenir. Mais il me faut d'abord détacher les pinces d'accord. Parfait ! Mais il me faut des composants de navire pour modifier le trimaran. Vous encore des trucs gros. Vous chargez pour moi. Ah. Vous pensez vraiment donner jamais. Votre navire à la science. Arrêtez les véhicules pour modifier les trucs. Arrêtez les véhicules. Tu vois, prof. Oui, si tu veux. Nos découvertes vous intéressent. Ok. Et juste l'aéroglisseur, il est là. Vas-y gros. Ce que j'ai. Après je suis sur la paille. T'as pas intérêt à faire de la merde avec mes bateaux. Sinon entre toi et moi ça va pas aller. Je vais recourir à des sanctions. Comme disait Negan. Vous pensez vraiment donner votre navire à la science ? Oui. Vous m'avez été d'une grande aide. Le trimaran est maintenant prêt. J'aimerais en prendre le commandement et mener l'expédition de recherche. Accompagnez-moi. Appuyez sur le bouton plonger et nous plongeons dans les profondeurs. Vas-y. Ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité. Oh ! Sous l'eau là ? Les interférences magnétiques qui ont brouillé nos communications. Si ? Le Virago en est peut-être responsable. Il nous faut utiliser le drone de reconnaissance pour examiner ce phénomène de plus près. Ok. Scanner l'est de la région. Ok. Oh bien, je suis sous l'eau. Pas du tout, je m'adresse pas du tout à ça. Quoi. Coordonnées de la nouvelle île acquise. Est-ce qu'il allait faire ça tout seul ? Bon, t'as pas beaucoup de poissons. Les drones de reconnaissance. Comment je fais ? Maintenant ? Non, faut que j'aille. Là. Ici. Oui, d'accord. Oh, c'est quoi ça ?
Oula. Eh bien. Mais quoi? J'y suis là. Ouais, je suis pile là où il faut, quoi. Ah oui, d'accord, il fallait que j'attende un peu. Très bien. Le mec pressé. Ça va. L'analyse des données a porté ses fruits. Ok, on va voir les autres. À cet endroit. Ici. Hop, vas-y, gros. Il y a vraiment nouvelle des grosses localisations. Coordonnées de la nouvelle île acquise. Quoi, c'est méga fichu. Scanne-moi ça, la vie. Ça va. Calme. Après, faudra que j'aille. Intéressant. Le drone de reconnaissance enregistre d'importantes anomalies ici. Ah, tu m'étonnes, mec. Je sais pas si tu vois, mais il y a des grosses coordonnées de la nouvelle île acquise. Du magma, là. Trop bizarre, d'ailleurs. Comment il peut y avoir un truc aussi chaud et rouge sous l'eau? Alors, il y a de l'eau quand même. C'est refroidir ça, c'est comme les volcans. L'analyse des données a porté ses fruits. Il n'y a rien d'anormal à cet endroit. Rien d'anormal? C'est normal, toi, ça? Mais pas moi, gros. Est-ce que je peux remonter? Ah. Ok, retourne là, va donner les analyses. On verra ce que ça donne du coup. Du coup, j'ai un nouveau bateau. Bon, comment ça s'est passé? Hors de question d'explorer davantage la zone dans cette obscurité totale. Mais j'ai ici quelque chose qui pourrait faire l'affaire. Plus vite, le temps presse. Ça va, oh, calme. Quoi? Je fasse quoi, hein? Installer le projecteur sous-marin sur le site où Vertigo a été. Patientez quelques secondes et je serai à vous. Ok, bon, on va commencer par aller à l'autre endroit du coup. Conduisez votre sous-marin à l'endroit suivant. Arc croisé pour récupérer les projecteurs qui vous attendent sur place. Ce que j'ai récupéré, non? Ou alors il m'a juste viré tout ce que j'avais. Je les ai pas les projecteurs là. Plus vite, le temps presse! Ah oui, c'est bon, ok. Et juste que j'appuie sur OK. Très bien. Je vais par là, je crois. Un peu là. Et est-ce qu'il faut que j'aille sous l'eau? Oui. J'imagine. Dépêche-toi, la vie. Que ça suffira pas pour accomplir cette mission. Qui sait? Pas moi. Hop, pas sous l'eau. Et c'est ça, projecteur sous-marin. Vas-y. Montre-moi un peu tout ce qu'on a là, parce qu'on a un gros truc ici, là, je sais pas ce que c'est, mais. Ça doit être ça, hein, le virago. Enfin. Ah, il est là. Pendant des années, nous avons spéculé sur ce qui s'était passé lors du voyage d'essai. À présent, nous allons pouvoir utiliser le journal de données de l'Arc et percer le mystère. La cloison d'urgence devrait se trouver derrière tous ces débris. Ah, je crois qu'on va devoir la faire exploser pour y accéder. Quoi? Comment on va faire ça? Oh, il faut peut-être faire des trucs et des machins encore. Très bien, allons-y. La catastrophe pétrolière a provoqué de lourds dégâts dans ce... Ok, des missions secondaires, pourquoi pas... Pour l'instant, il faut que j'aille là, en tout cas. Enfin, là d'abord. Avec ça, toi, tu vas faire cette mission en même temps. Scanne des rochers des requins. Rochers des requins. Scanne des cavernes des méduses. C'est méga loin. Je peux pas le bouger, ce truc-là. Pourquoi il me... Il dit pas qu'il faut que j'aille avec autre chose. Utilisez votre drone de reconnaissance pour recenser les populations animales. Position désignée.
Sors de l'eau, toi. Ben moi je veux bien, mais ça veut dire qu'il faut que j'aille là, que je récupère ce qu'il a sur lui, c'est ça? Si vous recherchez un peu de soutien, vous allez frapper à la bonne porte. Vas-y, vas-y. Avez-vous besoin de l'aide des derniers? Jusqu'ici, tout va bien. Passons à la phase suivante. Passons à la phase suivante. Faisons ça. Parce que quoi? Non, il faut que j'aille porter les explosifs. Mais ça devient compliqué tout ça là, j'ai plein de trucs à faire en même temps moi. Et lui je peux pas le bouger en plus. C'est bizarre. Bah le... Non mais non je peux pas le faire avec lui. Okay. Cette charge explosive est espérée avoir bien calculé la puissance explosive et l'étanchéité à cette profondeur. Mais vas-y. La station de secours ne doit pas être mise en danger par un virago endommagé. Voilà. Le plus long, c'est surtout les voyages, quoi. Et d'un endroit A à un endroit B, c'est un peu relou. Surtout qu'il me fait faire 10 millions derrière toi, hein. Avertissement. Arrêt complet de la production. Oui, oui, je sais, je suis fou. Partie sauvegardée. Pas grave du tout. Max, 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 max. On s'en fout pour le moment. Oui, ça sert à rien, mais on peut aussi les mettre en attente, éventuellement, en attendant. Hop, submersion. Et détonation. 10 secondes. Vous savez ce que c'est 10 secondes dans une vie? Non. La preuve irréfutable que j'ai raison. Mmh. Le journal de données nous en dira plus sur ce qui est arrivé au virago. Allez. Perçons le mystère. Perçons le mystère. Activez le drone de reconnaissance près du virago. Ça, je le fais tout de suite, l'ami. Et vu le temps que ça fait que je joue déjà, je pense que je vais passer... Je vais pas finir cette mission sur cette demi-heure de jeu. Malheureusement. À moins qu'il me reste vraiment qu'une seule chose à faire. Ah, il peut remonter. Ah. J'ai plus gagné du temps. Hein. Dans deux choses en même temps. Remonter et me déplacer. Éventuellement. J'avoue que j'aimerais bien finir la mission avant de finir la vidéo, mais c'est-à-dire qu'elle va être plus longue. Je sais pas trop quoi faire. Ah, maintenant que vous avez décodé... Je vais pouvoir lever le voile sur la disparition du virago. Le journal de données a souffert. Ce serait très risqué de l'examiner ici. Je m'en chargerai de retour dans mon bureau de corps pour plus de facilité. Ok. Ah bah si, c'est bon en fait. Nickel, bon, j'ai pas sauvé les animaux, c'est pas grave. Le siège de SAAP se trouve à corps. J'aimerais que vous m'accompagniez et m'aidiez à examiner le journal de données. Eh ben écoute, je vais te suivre. S'il y a que ça pour te faire plaisir, ça me va. En route pour Core. En route pour Core. C'est pouvoir examiner les données du journal. Nickel. Coordonnées de la cible Core en cours de réception. Calcul de la trajectoire. Mon arc procédure de surfaçage initiée. Bon bah je vous laisse tranquille avec l'île, hein. Je suis plus là, le président est parti, vous pouvez venir tout seul, j'ai confiance en vous les gars. À la prochaine, c'est un plaisir. Ah, cool. Bon, on a fini le premier chapitre du coup. Nice. Campagne, le virus, ouais, et après on passe sur corps, et après j'aurai plus à faire. Et là, il y en a combien des chapitres? Il n'y en a que 3. Voilà, ça va être vite vu tout ça. Ça va être cool. Bon, bah écoutez, ce fut intéressant tout ça. Au moins, j'ai appris au moins un peu comment fonctionnait le jeu. Il ne reste plus qu'à savoir ce que c'est que ces mystérieuses données. Et on verra ça du coup dans la suite de cette partie. Allez, salut!